Hey tout le monde, c'est Mister Mumu et j'espère que vous allez bien, car moi super. Je viens d'avoir mes 18 ans et c'est quelque chose de nouveau dans ma vie. Je dirais que je suis passé à la seconde phase de ma vie, car oui, moi je vois la vie en trois étapes. Être enfant, ado, être adulte et être vieux. Bref, avoir 18 ans nous donne l'opportunité à plus de droits et aussi plus de responsabilités. Et dans cette vidéo, je vous dirai les avantages d'avoir 18 ans, car oui, il faut le positif dans la vie. Bon, après, si vous voulez dire les aspects négatifs de cet âge, l'espace commentaire est là et sans plus tarder, c'est parti. Le travail et l'achat. Avoir 18 ans nous permet de travailler librement sans permission des parents. On peut aussi louer un appartement et acheter des biens. On a également le droit au permis de conduire, de signer des contrats juridiques, des accès aux comptes bancaires, demander des cartes de crédit, bref, on doit se montrer responsable et répondre à nos obligations. Tabac, drogue, alcool. Maintenant qu'on a 18 ans, il est de droit pour nous de fumer, même si moi je ne le ferai pas car c'est mauvais pour la santé. Il est de même illégal de le transmettre à une personne mineure. Quand on est mineur, utiliser de la drogue est vraiment grave selon la loi et même au niveau scolaire. Cela est de même pour la drogue et l'alcool, sexe et mariage. Avoir 18 ans nous permet d'avoir accès aux relations sexuelles avec une personne de même âge. Pourquoi? Car c'est illégal de le faire avec une personne ayant moins. Le droit au mariage nous appartient et les parents ne peuvent rien faire. Droit pénal et civil. On a aussi le droit de poursuivre quelqu'un en justice quand on a 18 ans. Mais on peut être aussi poursuivi. Si on est accusé de crime ou quelle que soit la chose, on sera bel et bien enfermé. Mais bien sûr, on aura droit à un avocat et il nous sera fourni avec un avocat gratuit nommé par le tribunal si on ne peut pas payer. Droit de vote. On peut aussi voter si on le souhaite. Mais d'abord, il faut s'inscrire avant l'élection. Si vous parlez très bien l'anglais et être citoyen américain, vous pouvez faire partie d'un jury. Voilà, juste une vidéo pour présenter les avantages d'être majeur. Et je suis vraiment content d'avoir atteint les 18 ans, car comme je vous l'ai dit, je suis rentré dans la deuxième phase de ma vie. Et par rapport à la première phase, je vivrai de nouvelles choses envers moi-même, envers les autres et aux citoyens. Si vous souhaitez parler des inconvénients d'être majeur, vous pouvez le dire en espace commentaire et je serai content de les lire. Et comme d'hab, le pouce bleu, le partage et l'abonnement. Peace, matané.